Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche matin, un petit tirage un peu express que vous aimez bien et moi aussi. Oui, non. Voilà, en fait, il y a six possibilités. Vous pouvez poser six questions, alors pas six fois la même, évidemment, sinon vous allez avoir des réponses extrêmement. Ça va pas plus avoir de sens, donc peut-être la possibilité d'avoir six réponses. Donc oui, non, donc moi à chaque fois, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ça c'est la réponse, ça c'est pourquoi. Ou c'est ce que vous pouvez faire si, voilà, c'est plutôt pourquoi, me disent les guides. Non, c'est pas ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Et puis peut-être si j'ai une date, un délai, bah j'ai, mais j'ai pas toujours, hein, donc moi je vous raconte pas n'importe quoi, j'ai pas l'habitude, hein, on se connaît bien sur la chaîne, ça fait quand même un petit moment qu'on se fréquente. Je donne pas les infos que j'ai pas, je n'invente pas les informations et je dis pas les choses pour faire plaisir. Maintenant, attention, on reste quand même sur un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, vous ne cherchez pas à faire résonner absolument. Ok? Alors. On y va, c'est parti, top départ. Donc, je vais défiler les trucs parce que je vais être en totale canalisation. Donc, moi, je vais défiler vite. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut minuter et mettre dans la barre d'infos, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, je lui en ferai, je lui donne ma reconnaissance éternelle. Voilà, on y va, c'est parti pour la 1, question. Alors, ce que je vous conseille d'abord, c'est vous poser les pieds à plat, bien à plat sur le sol, vous respirez, vous prenez un moment de calme et vous posez votre question. Alors, on a le moon, les émotions avec le bouillonnement. Là, pour moi, avec le bouillonnement et la lune, c'est oui, ça va, ça, oui, ça va s'arranger, on me dit. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est possible maintenant. Je crois que ça va s'arranger parce que je crois que cette personne ou cette situation va obtenir un oui. Cette personne, elle est en train de chercher ou cette situation est en train de chercher une solution. Ça bouillonne. Bon, c'est quelque chose qui met beaucoup d'émotions, donc c'est peut-être pour ça que c'est pour moi, c'est pas tout de suite, c'est pas forcément, c'est pas tout de suite ou c'est pas parfait. Mais oui, ça progresse, oui, ça évolue, mais c'est un truc qui est important, qui est touchy, qui est émotionnel. Donc, waouh, on veut pas que ça foire, on veut pas que ça rate. Donc la personne ou la situation en face prend son temps pour que ça se passe au bon moment, de la meilleure façon possible. Ok? Alors, c'est parti. On va passer à la. Alors, je vais les refermer parce que si vous décidez de les rejouer plus tard, que vous ne soyez pas influencé. On va passer à la numéro 2. Je vous laisse poser votre question. On a la protection, l'étoile et les guides. Oui, un grand oui. Là, c'était un petit oui. Là, c'est un grand oui. Si vous vous laissez guider par la vie ou si vous vous laissez guider par l'autre, on vous dit, ne faites plus rien, attendez. Voilà. Ou alors, faites une demande. Vous avez dit, dites ce que vous avez à dire. Faites une demande et après laissez faire. C'est l'autre en fait, en face, l'autre ou la situation ou les guides, je ne sais pas, qui vont. En fait, il va y avoir un coup du sort, un coup de chance. Ça bouge, ça se passe bien, ça se passe exactement comme vous voulez, mieux que ce que vous voulez, me disent les guides. Waouh. Alors, la numéro 3. Pareil, petite concentration. Moi, j'attends hein, que vous vous concentriez. C'est pour ça que je fais une pause. On y va, c'est parti. On a le diable et on a le cadeau. Oui, alors là, c'est un oui. J'ai que des oui pour l'instant. C'est un oui, mais on vous dit, pour moi, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Il y a peut-être un dossier à remplir. Alors, si c'est sur. Moi, je vois un truc administratif là derrière. Alors, peut-être qu'il y a des documents à remplir. Peut-être qu'il y a des. Voilà, ça prend du temps, mais c'est oui. Il y a un cadeau, il y a un don. Donc, c'est un grand oui, mais c'est un peu fastidieux à faire. Ça vaut le coup. Pour moi, on me dit là, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de se fatiguer, ça vaut le coup de s'y attacher, s'y attaquer. Parce que c'est un grand oui, c'est une belle réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la force, la maîtrise et la communication. Là, on vous dit oui, mais. Alors, oui et non. Oui, si vous êtes patient, si vous maîtrisez votre communication, si vous vous énervez, si vous vous fâchez, c'est non. Vous allez retomber sur un mur. Mais si vous êtes dans l'échange, dans la communication, dans reconnaître vos torts si vous en avez, être très calme, être très posé, être serein, être positif même avant, c'est oui. Sinon, si vous vous énervez, si vous voulez absolument avoir raison, si vous voulez passer en force, si vous voulez imposer sans communiquer, ça passera pas. Faites pas votre empereur sur ce coup-là ou votre ouais, faites pas votre empereur sur ce coup-là. Allez dans la com, soyez confiant, soyez cool, soyez détendu et ça va bien se passer.
Alors, on y va pour la 5. Alors, la 5. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et l'amour. Oui. Alors, là, c'est un oui, évidemment, l'amour, c'est un oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que ce que vous le faites avec amour, parce que c'est de l'amour qui est en lien là-dedans. Et surtout, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à votre intuition, suivez votre nez, suivez votre pif. Moi, j'entends là que vous allez avoir du pif sur cette affaire-là. Et puis, si ça concerne une vie amoureuse, c'est un oui, mais soyez un peu, jouez un peu aux abonnés absents, laissez l'autre venir. Hein, laissez l'autre venir, là, j'entends ça. Laissez l'autre venir, laissez l'autre se présenter, laissez l'autre venir. Suivez votre intuition. Voilà, faites comme vous le sentez. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Faites comme vous le sentez. Et surtout, si c'est fait avec amour, ça peut que fonctionner. Alors, et la dernière. J'adore faire ça, c'est rapide, c'est express, moi j'adore. J'adore. Allez, on y va à la dernière. On a la justice et la transmission. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver. C'est oui, mais encore. Ça peut être non et oui. Là, on est entre les deux. C'est oui si il y a de l'équilibre. C'est un oui-win. Il faut que tout le monde soit gagnant dans l'affaire. Il faut que tout le monde soit. Moi, je pense qu'il y a une possibilité que ce soit un oui si on discute, si on échange, si tout le monde est gagnant. Voilà, faut que tout le monde y trouve son compte, on me dit dans cette histoire-là. Faut que tout le monde y trouve son compte, faut que tout le monde ouais, voilà, il trouve son compte, soit à la fin, disent bah ouais, c'est pas mal. Faut pas qu'il y en ait un qui se sente ouais, mais je me suis sacrifié, je me suis lésé. Si tout le monde y trouve son compte, ça va fonctionner. Sinon, ça risque de coincer. Voilà, je vous souhaite un très 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 beau dimanche et on se retrouve dès demain. Bye bye.